Salut à tous! Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 11 de Cyberpunk! Hello, Hello Night City! À notre grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 Alors. Hier, 10 rien qu'à Heywood! Grâce ça, à ça a changé ça. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs! Parce que le NCPD va pas laisser passer ça! Non, ça reste encore la même pour l'instant. Nouvelle coupure de courant à J'ai pas encore assez avancé. Encore des naîtres d'heure occupés à trouer le réseau électrique! J'aurais pu level un peu le combat aléatoire peut-être. Ouais, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que j'ai travaillé sur ma prochaine vidéo. Du coup, en dehors du stream, j'ai fait que bosser. Je n'ai point eu le temps. Bienvenue pour le Flash Info. Vous aussi, vous aviez je level, en fait, je vais level up dimanche. Samedi soir à dimanche, je level up. Ouais, tu vois, regarde, on s'était arrêté ici. Ah, attends. Donc j'en étais juste à faire ça, justement, c'était la mission d'Arasaka qui me restait à faire. On va appeler... comment il s'appelle? Takemura. Ah. Qui ça? Mais, comment ça va? Il faut que je parle au chef des Voodoo Boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Ouais, je sais, j'ai beaucoup de SMS. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. Vous faites pas du tout affaire avec eux? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils ont tous un ego hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisser à me parler. Mais si tu insistes, je peux me renseigner et essayer d'organiser un truc. Il me faut juste des détails avant. J'ai un truc qui vole. Vraiment? Tu veux vendre un truc au VDB? Crois-moi, ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Ils ont tout ce qu'il leur faut, leurs propres contacts, tech, réseau. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire et je te recontacte. Ok, bon. Donc c'était pas ça, mais au moins ça c'est fait. Ouais, bon... Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé, Bartos. C'est bon, tant mieux, il a pas répondu. Alors, Takemura, il est où? Takemura. Mais non, en fait, j'ai pas à l'appeler, j'ai juste à y aller. Et oui, j'ai juste à y aller. Allez, go! Comme bagnole. Ah si, j'ai peut-être fait une petite mission. J'ai peut-être fait une petite mission ou deux en fait pour level up un peu. Oh le bâtard! C'est ma faute en plus, c'est moi qui ai grillé le feu. Cette bagnole, elle est pas si mal en fait. Allez, avance. C'est ton jour de chance aujourd'hui. Le jour où Pacifica t'invite à lui faire l'amour.
Vous avez quelque chose pour moi ? Bon, comme je te l'ai dit, ce que tu as à vendre ne les intéresse pas. Oula, Pacifica. Par contre, ils ont besoin de quelqu'un pour un boulot. Alors, je t'ai mis sur le coup. Si tu bosses bien, tu pourras parler à Brigitte. Ok, je dois parler à qui alors ? Va à la chapelle sur Sloan et trouve l'hôtel à l'intérieur. Quelqu'un te touchera ou te fera un signe de tête. Entendu, merci. Entendu, merci. Oh le gars, comment il parle badass. Ça là, c'est tiré d'une image de Ghost in the Shell, ça. On s'en fout. Le défilé va bientôt commencer. Ouais, ça a l'air vachement bien. V, juste à temps. Salut, Goro. Froid. T'as l'air de péter la forme, dis-moi. Ah, vraiment ? Je me sens plutôt mal. J'ai mangé ce que vous appelez un scope bag. Et alors ? C'était bon ? Demande aux gens. Le défilé va bientôt commencer. J'ai ajusté les données d'Okada-san. Je te conseille de bien les examiner. Ok, c'est parti. Commencez. Le malware fonctionne. Bien mieux que je ne l'espérais. On a des yeux et des oreilles dans la salle des gardes. J'ai regardé la vidéosurveillance. Je sais où sont postés les snipers. Ils sont trois. Tu dois les rendre inoffensifs avant qu'ils s'occupent de moi. Tu peux les atteindre de différentes façons. Le premier est tout près. Ça devrait être facile. Le second, ce sera moins facile. Tu devras grimper. Quant au troisième, il est caché sur la passerelle au-dessus de la rue. Okay. On est là. Le char de Hanako-sama s'arrêtera là, près de la sortie de secours qu'on empruntera quand ce sera fini. De ces endroits, tu auras une bonne vue sur le défilé. Mais les snipers verront encore mieux ce qui se passe. S'ils te remarquent, adieu le voleur. Mais si ça te paraît risqué, n'oublie pas que moi, je dois sauter sur le char, passer par une fenêtre et parler à Hanako-sama face à face. C'est cette discussion que je redoute le plus. Est-ce que tout est clair ? Tu es prêt ? Attends. Si jamais ça tourne mal, on a un plan B ? À ton humble avis, je suis accusé de trahison envers Arasaka. Je vais bientôt tenter de parler à la sœur du PDG en personne. Il n'y a pas de plan B. Il faut que celui-ci marche. Ce plan est complètement foireux. Pourtant, je suis là. Je sais. Je t'en remercie. Remercie-moi si on réussit. Allez, en position. Très bien. Attends mon signal. Je vais voir ce que j'ai comme arme. Alors, j'ai mon sniper, j'ai ça. Ok, ça, on va le dégager. On va le remplacer direct par... par lui. Voilà. Faisons ça. Sois prudent, Goro. Bon. À partir de là, j'ai jamais vu. Je suis en position. Oh la vache. J'ai cru que c'était une cinématique tellement c'était classe. Sinon, tu auras affaire au drone d'Arasaka. J'ai aussi repéré une netrunner en uniforme d'Arasaka. Il est caché quelque part. Ok, c'est tout bon. Mais alors, si tu l'as repéré, dis-moi où elle est. Tu dois atteindre tous les snipers avant l'arrivée du char de Hanako-sama. Oh, c'est trop classe. Le pauvre Sakuro Arasaka, passé d'homme le plus puissant du monde sur le cœur. Ça va être énorme, c'est juste ta place. Tu n'es pas loin.
profonde. Le regard de la foule. Pas ses arrières. Il va rien voir venir. Soldat. Industriel. Visionnaire. Mon père. C'est le même. Il ne s'adresse pas à ses enfants. Aux membres de sa famille. Ou à ses associés. Il s'adresse à ses amis. Et ce n'est pas par hasard que je le prononce. Comment je vais passer ça? Si je la joue comme ça, je suis un taré ou pas? Ouais, j'étais con. C'était très con. Je pensais que ça... Je ne l'ai même pas touché, quoi. Je m'étais dit un bon coup de fusil dans sa gueule, mais même pas. Le jeu est beau. Le jeu est beau, tout à fait. Un C. C. Le 9. Okay. Merci du tuyau. Simplement. Ah, je suis limite déçu, c'est trop facile. Un junkie barbu près du centre. Les citoyens, le Night, la tour. Patrouille, prenez vos positions. Au balcon, deux étages au-dessus, une femme en rouge, sûrement armée. Fausse alerte, je répète, fausse alerte. Elle tient des jumelles, embarquez le junkie. Mon père a été victime d'une attaque. Tout aussi lâche. C'était un acte de violence qui visait les valeurs. Avec Night City. Comment je suis censé grimper là-dessus? Salut Pan. Silence. Le silence n'est pas d'or. C'est le bruit d'une flamme éteinte. Mais non. Mais... Grimpe la con de toi. Le silence n'est pas d'or. Goro, j'ai descendu le plus proche. Maintenant, saute sur le balcon près de la flèche verte et prends l'ascenseur. Une fois en haut, prends la passerelle pour traverser la rue. Putain, je suis trop lourd. Tous les coups, je suis trop lourd.
Mort. Mais oui, j'ai trop de guns, putain. Sans l'implant du double saut, ça va pas être facile cette mission. Ouais, mais je sais pas où il est l'implant du double saut. Faites votre putain de boulot. Compris. Terminé. C'est ce que nous pensions. Oda est ici. Je te recontacte quand je suis de nouveau. Je le connais, ce borg de merde. C'est ce putain d'Adam Smasher. C'est le type qui t'a buté? Ce sale enculé est à peine humain. Mais tu sais quoi? Je suis content qu'il soit là. T'es content? Vu que je me... Essaie d'attendre la zone de maintenance. Tu pourras grimper depuis là-bas. Désolé, je t'ai coupé, Kenyu, mais là, c'était pas le moment, Johnny. La passerelle a pas l'air très stable. T'es bien sûr que Takemura va pas essayer de te baiser? Faut y tomber. Attention, ne te fais pas remarquer. T'as raison, ouais. Je te l'avais dit. Tu veux pas courir plutôt? Ah, ça y est, tu peux courir. Je passe, fuck it. Le silence n'est pas d'or. Bon, niveau discrétion, c'est pas ça, mais ça a marché. Tellement classe. C'est un Night City que nos ennemis ont montré le réel visage. Une lâche attaque terroriste qui a coûté la vie à 4 millions de personnes. Des employés d'Arasaka Corporation et des citoyens de Night City. La tour Arasaka s'est effondrée. Rendez-vous tout de suite! Et pourtant, sa flèche se dresse toujours au-dessus des toits et des gratte-ciels. Elle se dresse, plus puissante et résistante que jamais. Récemment, mon père a été victime d'une attaque. Tout en fait, c'était un acte de violence qui visait les valeurs que nous partageons tous. Avec Night City pour témoin, Arasaka Corporation. Rendez-vous tout de suite! Sera encore plus puissante que cette épreuve. Tout comme il y a. Cela, c'est quoi cette merde? Et maintenant, écoutez bien. Car encore quelques mètres, il y a toi. Le silence. Sortez lentement, les mains en l'air! C'est le bruit d'une flamme éteinte. Ah, si seulement j'avais de quoi. Hein? Seulement j'avais de quoi pour du corps à corps, quoi.
seulement j'avais de quoi pour du corps à corps, ça marcherait tellement mieux. C'est... Mais en fait, c'est parce que... C'est tu parce... dois trouver le moyen de descendre. Le problème, il vient du robot, oui, quoi. Comme ça. Prends ton temps. J'ai besoin de toi. Pas de cadavre. BDBD. T'as vu ? Oh là là, ça va être compliqué. C'est le bruit d'une flamme. Quand je t'aurais tué, j'irais pisser sur ta tombe. Ah bah ouais, bah rien que ça. C'est quoi cette merde ? On court quelques mètres et il y a toi. Silence n'est pas où est-ce que t'es ? C'est le bruit d'une... Je vais voir. D'où il m'a vu là ? Ça, c'était le deuxième sniper. Je manque un peu de power, ouais. Je manque un peu de power. Quand je t'aurais tué, j'irais pisser sur ta tombe. Je vais voir. Le silence n'est pas d'or. Où est-ce que t'es ? Le bruit d'une flamme éteinte. J'ai pas de chance avec ce mob. Hein. J'ai pas de chance avec ce mob. Incroyable. Ah, mais putain, mais je peux lui faire un redémarrage optique. Je suis con. J'aurais dû faire ça. Je pense pas assez à utiliser mes pouvoirs. Ok, on va le pirater.
Sors de là. T'as encore rien. On court quelques mètres et il y a toi. Hein? Non, c'est pas d'or. C'est le bruit d'une flamme éteinte. Saburo Arasaka, le 3 mars 1942, dans un camp de prisonniers de guerre, un mois après avoir été défendu. Cible éliminée. Ravi de l'entendre. Oh, et deux. Il y a une porte vers un escalier au bout de la pièce. C'est le chemin le plus court vers le prochain sniper. Et se positionner en hauteur. Je te tiens au jus. Passé 1C55. Écoute, on doit annoncer que la sécurité publique est compromise. Elle doit être évacuée sur le champ. Arasaka est parfaitement capable de protéger ses dirigeants. Demandez à votre patron ce qui compte le plus. Imasta. Je vais voir. Contrôle. Terminé. Tu as entendu? Ils se rendent compte de quelque chose. Il faut nous dépêcher. Récemment, mon père a été victime d'une attaque. Tout est proche. C'était un acte de violence qui visait les valeurs que nous partageons. Où est-ce que t'es ? Avec Night City pour témoin. À la base de l'origine, sortira encore plus puissant de cette épreuve. Il est où ? Il est au-dessus de moi ? Je t'aurais tué, j'irais pisser sur ta tombe. Ok. Ah, c'est fait. Ok. Sortez lentement, on est en l'air. Merde. Alors. Ça va, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. J'ai fait un peu le bourrin, mais ça va. Z. Tac. C'est la même chose. C'est bon. Ah, 469. C'est mal celui-là. Et dans les snipes, j'ai quoi ? Un snipe. 265. C'est par rapport à lui, en fait. Il est moins bon que celui que j'ai. Pour mon snipe. Pilote dans le 3e escadron au rang de station chef. C'est quoi cette merde? Et PDG de la plus grande entreprise. Rendez-vous tout de suite! Thank you.
55 BD1C. Sortez lentement. C'est quoi cette merde? Espèce de pommard! Essaie d'atteindre la zone de maintenance. Tu pourras grimper depuis là-bas. Et si ça ne marche pas, tu peux utiliser la passerelle sur ta droite. Attention au réacteur du char. Je te conseille de baisser la tête, sauf si tu as envie d'une permanente. Oh, c'est trop classe! Ça s'est pas trop mal passé, ça. Ça aurait pu être bien pire. Est-ce qu'il y a moyen de les cacher Non ? Bon, bah, ils vont rester là. C'est passé ! C'est un peu dommage, ça. Je vais le descendre. Et oui, on peut pas se toucher. En avant. Quand tu te rends compte que les ennemis, en fait, ils sont... Ah, un objet légendaire récupéré, tiens, nickel ça. Quand tu te rends compte que les ennemis savent pas tourner autour d'eux, ça devient assez facile de les taper. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il devait y avoir des mines que j'ai pas vues à tous les coups. Il devait y avoir des mines que j'ai pas vues. 100% c'était ça. Tireur patrouille.
ça me marie pas trop, mais à tous les coups, il sait où je suis. C'était quoi ça? Non, c'est pas une mine, c'est un ennemi qui me voit et qui me tire dessus au lance-roquettes, on dirait. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, maintenant, je sais exactement. C'est réglé, et donc il va y en avoir un autre par là. À moins que ce soit la Netrunner dont tu parlais tout à l'heure. Laisse-toi! C'est pas vrai. Je vois pas qui c'est qui me tire dessus. J'arrive pas à voir. J'ai pas réussi à voir. Ah putain, c'est les hélicos. Ok. Ok. Salut Kiki Twitch, comment vas-tu? Bah, il est en pleine explosion. J'arrive vraiment pas à voir hein, où est-ce qu'il peut être. F5. Un petit save là. Hop. Allez, rentre! Ok, ça c'est fait. Il reste un problème. Et c'est quoi? La Netrunner d'Arasaka. Elle a pris le contrôle de tous les réseaux. Il faut te débarrasser d'elle. Tu ne pourras pas détourner le char autrement. Elle se cache dans un immeuble en construction. Donc ça, c'était bien une mine. Il y avait deux choses, en fait. Il y avait la mine d'un côté et le drone de l'autre. We'll be right back.
je crois qu'on a fait le tour. Il semblerait, oui. Bon travail. Ah, ça c'est fait. Je vais me faire vite fait le petit... lui là. Voilà. Il reste un problème. Et c'est quoi ? La Netrunner d'Arasaka. Elle a pris le contrôle de tous les réseaux. Ah, vous il faut se débarrasser d'elle. Elle ne pourra pas détourner le char autrement. Elle se cache dans un immeuble en construction. Pas loin de la planque du deuxième sniper. Ok, je m'en occupe. Là, faudrait vraiment que je puisse trimballer plus de choses. Hein. Je passe mon temps à avoir trop de... Alors, le sniper, on va checker après. Ça, je vais le balancer. Balancer. Voilà. Là-haut. C'est trop jeune pour mourir. C'est quoi ce merdier? Qu'est-ce qui s'est passé? La musique à la Blade Runner, incroyable. Cette musique là, là, c'est comme le début de Blade Runner. Ok, donc c'est bon, j'ai compris maintenant, il ne fallait pas appeler l'ascenseur. Très bien. Ça, ça dégage aussi. Ah. Dégage. Faut pas appeler les ascenseurs, hein, on a bien compris maintenant. Ça patauge un peu, comment ça patauge un peu? Mais non, j'y arrive. Call your song.
Excellent. Merde, c'est pas bon ça. Alors, grand open space, immeuble en construction, est-ce que ce serait pas notre premier boss? Est-ce qu'il y aurait pas comme un petit risque de boss là, par exemple? Alors, non! Un grand open space, qu'est-ce que j'ai comme... Est-ce que j'utilise mes points? Je devrais peut-être attendre de voir la branlée que je vais me prendre avant d'utiliser mes points, parce que ça peut peut-être me servir. Fabrication, amélioration. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer un peu mes armes ? Bloqué. Et... Ça va être mieux. Maintenant, j'ai attiré son attention. Débranche sa connexion. Mais tellement pas. T'es là depuis un moment, fais une pause. Merde! Oh là, oh là putain! Soyez là. Tu t'avais prévenu! Oh, attention! Garde tes discours! Ah bon? Reste à l'écart de cela! Ou tu le fuiras comme un poisson! Tu aurais dû abandonner! Et quitter la croix! Je ne me laisse pas le choix! Merde! Oh. Je l'avais pas attendu lui. Oh là là. Ok. Comment je vais pouvoir me battre contre cette saloperie? Ok. Comment est-ce que je vais pouvoir le défoncer? T'es là depuis un moment. Fais une pause. Merde! Oh, fallait que vous soyez là. Tu t'avais pas un doyen. Garde tes discours. Reste à l'écart de ça. Comme un poisson. J'aurais dû regarder qui voilà. Je ne me laisse pas le choix. Vulnérabilité de masse. Alors, BDBD 55. BDBD 55. BDBD 55. Ah là là, il fait peur! Putain, je vais tellement chier sur lui.
Oh là là, mon perso fait de nimp. Quelle mauvaise idée j'ai eue. De sa vie. Comment ça 57? Comment ça il se régénère? Comment ça il régène? Il est où ce con? Il m'a tué, je crois. Vas-y là. Partir en guerre avec un pistolet haut, c'est sûr que c'est une mauvaise idée. Non mais je savais pas qu'il y avait un boss. Ah mais il régène, ça c'est abusé qu'il régène. Putain, cette nouvelle mode d'avoir des boss qui régènent quoi. Allez que vous soyez. Protocole de piratage, vulnérabilité de masse, donc 1, 1C, 55, 55. Ah putain, mais barre-toi! Je
Et merde! Ah là là, il fait peur! Il fait flipper, lui! Mais qu'est-ce que je suis censé faire si je le tue pas? T'es marrant toi, il va... Mais, quelle est la situation? J'ai réussi à... Oda, il est mort. Il respire. Pour l'instant. Je t'en prie, V. Aie pitié de lui. Plus rien ne devrait te barrer la route maintenant. On continue. Oh la Vous, vache. Vous, putain de sens de l'honneur. La vache, quoi. Ah, il m'a fait flipper. C'est rare qu'un boss me foute la trouille, mais ce boss m'a foutu la trouille, quoi. Remerciez votre vieux pote Goro. Non, c'est moi qui te remercie, V. Poule mouillée, mais ta sœur, la poule mouillée, non mais oh! Il foutait la trouille celui-là, là! J'ai le palpitant à 400% là! Ouh! Bon! Et la nerf-treneuse. Non! Ok, c'est bon. Je suis en ligne et dans le système. Hanako est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe un coup de fil, je crois. Essaie d'écouter. V, tu tires à te faire tuer. N'oublie pas de désactiver les alarmes. Il faut que je puisse entrer. Qu'est-ce qui se passe? Kiken da to keikoku sareta no. Oda to mo renraku ga torenai shi. Nanika henda wa? Allez, texture. Parler d'autres choses sur le bas. Yowasa o noté shita to omowareru. Yowasa? Dare no? Anata no? Ore tachi no da. あくまでもお父様を追悼するため操り人形になるためじゃないわこの見せ物ではみんなに役割があるミチコは文句を言ってないぞだがお前が言うなら中止でもいい全部やめだお前の安全が大事だからな兄さんやり終えましょうありがとう花子せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。あ、やり終えなければ。Les systèmes sont HS. C'est maintenant ou jamais. お父様。花子様。あなたは。お許しを。どうか話だけでもお聞きください。
サブロー様は父のことを口にしない。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすことが。花子様、無礼を働きたくありません。しかし。で、フリー。メルト、メルト、メルト。Il l'a descendu? Quoi qu'il ait fait, cette fois, on est bien baisé. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. T'étais censé le tenir en laisse. On ferait bien de se tirer d'ici vite fait. On est dans la merde. Alors. Question, mon pote. Pour moi, ça vaut mieux pour toi. Pourquoi je peux pas lui tirer dessus, lui? Pourquoi je pouvais pas lui tirer dessus? Ça me permettait pas de viser. Bizarre. Je pourrais pas parler en français comme tout le monde. Moi, sans... En gros, il était en train de dire... Il faut que je vous révèle quel est le vrai assassin de votre père. La situation. J'ai réussi à... Oda, il est mort. Il respire. Pour l'instant. Je t'en prie, V. Aie pitié de lui. Plus rien ne devrait te barrer la route maintenant. On continue. Force à toi, Willy. Ok, c'est bon. Je suis en ligne et dans le système. Tu sais ce que c'est une zone blanche? Anako est à l'intérieur. 2G Ed. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe Willy, un coup de fil, je crois. Essaie d'écouter. Pas encore. N'oublie pas de désactiver les alarmes. Il faut que je puisse entrer. Alors, on m'a averti d'une menace. Oda ne répond pas. Si nous annulons les festivités, ce sera comme un signe de faiblesse. La faiblesse de qui? La tienne? La nôtre. J'ai accepté de participer uniquement pour honorer la mémoire de notre père. J'ai l'impression de n'être en rien... Chacun son rôle à jouer dans ce spectacle. Ne pose pas de problème, Michiko. Mais je comprends. Un seul mot de ta part et nous arrêtons tout. Ta sécurité compte plus que tout à mes yeux. En gros, c'est Yorinobu qui dit... qui dit de la merde. Il faut aller jusqu'au bout. Merci, Anako. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas terminer une cérémonie si émouvante. Tu sais, parce que bien sûr, il joue la carte du fils éploré. Oto-sama. Père. Veuillez me pardonner, Anako-sama. Je vous demande juste, votre père, comment osez-vous parler de lui? C'est la toute dernière chose qu'il aurait voulu. Révéler le véritable circonstance de sa mort. Anako-sama, je vous en supplie, ne me forcez pas à faire ça. Fuis! Et là, il lui a tiré dessus. Merde, merde! Il l'a descendu. Quoi qu'il ait fait, cette fois, on est bien baisé. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. T'étais censé le tenir en laisse. On ferait bien de se tirer d'ici vite fait. Et de deux. C'est
s'enfuir de la zone. C'est quoi ce bordel? Ouais, pour l'instant. Putain, t'as perdu les pédales! Pas le temps d'expliquer. Il faut qu'on se voit. Où est-ce que t'es? Dans un immeuble abandonné. Sur Vine Street. Deuxième étage. Appartement 303. Frappe 4 fois. Fais vite. Si je peux, ça va. On est bientôt à l'antenne. 3, 2, 1. Ici Gillian Jordan de N54 News, en direct de Japantown, où un défilé commémoratif en l'honneur de Saburo Arasaka a tourné à la catastrophe un peu plus tôt. Les témoins auxquels nous avons parlé évoquent un échange de tirs à bord de l'un des chars. Le char en question serait celui qui transportait Hanako Arasaka. Hey, vous êtes dans le champ. Clairement, je veux passer à la télé. Est-ce qu'on va me... Franchement, si on me voit à la télé quand je rentre chez moi, si je vois ça à la télé. Hey, vous êtes dans le champ. Trop aimable. Il y a des gens qui bossent ici. On verra si ça passe. Elle est plus là, la journaliste, elle s'est barrée. C'est parti. Voilà, le jeu est beau, c'est un truc de fou. Oh là là, ça sent tellement pas la... Ça sent tellement la merde, ce plan. Tellement la merde. Parce que là, du coup, je connais pas. Hein. Là, c'est à découverte, là, maintenant, les gars. Alors, est-ce qu'il y a moyen de passer par une autre porte? Genre celle-là, non, fermée. Il y a clairement moyen de passer par une autre. Merde, j'ai pas fait... Oh, j'ai fait le mauvais code.
qui est trop vite. Disons que mon rank ne veut plus avancer, c'est ennuyeux, j'essaie de récupérer des minerais à l'extérieur, à l'intérieur. Mais on peut plus drop de caisse. Je sais pas. Ça fait très longtemps que je peux utiliser un rock. Tiens. Carte de tarot. Et au-dessus encore, c'est quoi? Tu y a pas d'au-dessus. Très bien. On va descendre. On va repasser par là où on devait repasser. Alors. L'étage en dessous. Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête, putain! J'ai utilisé un sédatif. Elle a essayé d'activer son traceur. Je n'avais pas le choix. J'ai lu... Tu es fou! Attends! Tu me demandes... En fait, ça, j'ai envie de le truster, mais je me demande en même temps. Jusqu'à quel point il est fiable. J'étais au Konpeki Plaza, ce soir-là. J'ai vu Saburo Arasaka mourir. Il a pas été empoisonné. C'est un mensonge inventé par votre frère. C'est Yorinobu le meurtrier. Vous êtes fou si vous pensez que je vais croire ces idioties. Le truc, c'est que je suis hyper déterminé et que j'ai rien à perdre. J'ai votre prototype de relique enfoncé dans le crâne, par le plus grand des hasards. Il m'a permis de survivre à une balle. Elle est méga classe, hein. Mais maintenant, il me tue à petit feu. L'un de vos engrammes de personnalité est en train d'écraser ma psyché. Et si je trouve pas le moyen de l'arrêter, disons que ça finira mal pour moi. Hanako-sama. V est la preuve vivante du terrible crime commis par votre frère. Nous pourrions confirmer chacun de ces mots si vous pouviez l'aider à retirer la relique. Hanako-sama. Tu as entendu ça? Va vérifier. Bien sûr, c'est à moi d'aller vérifier. Je le sens pas super, là. Maintenant, où est notre
trouver. Chier. Oh le bug. C'est notre dernière chance de se tirer de là. Attaquez-moi. Je peux pas l'abandonner. Oublie-le, il est foutu. Sauf si tu veux finir comme lui. Non, la sœur est morte aussi. Merdier. Ce merdier, quoi. Ok. On n'y voit rien de rien, quoi. Oh la vache. On n'y voit absolument rien. C'est dur un peu. Faudrait peut-être que je fasse des petites... Là, je dois avoir au moins level up avec le boss et tout, non? Attends. Personnage. Mais oui, j'ai level up. Fais voir. Piratage, est-ce que ça va me servir? Non, ça va pas me servir. Constitution. Augmente les dégâts du fusil à pompe de 3%. Réduit le recul du fusil à pompe. Et... Réduit le temps de recharge du fusil à pompe et du fusil mitrailleur. Ah bah oui. Ah oui, bah voilà par exemple. Voilà. Ça c'est bon, sans froid. Pour l'instant, ça j'en ai pas besoin. Vas-y. Je le sens pas super là. Ah, ce bug.
ça bug quoi. C'est notre dernière chance de se tirer de là. Oublie-le, il est foutu. Comment vous dire que j'y vois pas grand chose là? Ça c'est bon. Ok. Ok, ça c'est bon. Il y en a une infinité de ces mecs-là. J'approche de la cible. Feu.
pas ouvrir par là. Très bien. Elles sont 4. J'approche de la cible. Il saigne. Achevez-le. Figé. Feu. Ça sort pas par ici. J'approche de la cible. Ok, ça c'est fait. Je t'aurais tué, j'irais pisser sur ta tombe. Et ça c'est fait. Bon, le mode discrétion, voilà quoi. On aura pacifié la zone, c'était beaucoup plus simple. Il doit y avoir 2 milliards de loot que j'ai raté. Qu'est-ce que... Je t'interdis de t'évanouir. C'est pas le moment. Allez, putain, on en est il faut là. Tirer de cette ville. C'est moi ou t'as rushé l'histoire principale? C'est toi, j'ai pas du tout rushé l'histoire principale pour l'instant. Au contraire, j'avance assez lentement. Tu crois qu'ils font ces motels spécialement pour les dégénérés comme nous? La clim est naze, y'a des vieilles seringues sous le lit, les chiottes sont bouchées. Quelques temps plus tard. Non mais sérieux, qui viendrait dormir ici? On n'est qu'à quelques bornes de Night City. Si quelqu'un quitte la ville, il s'arrêtera pas ici. Et s'il y va, surprise, eh ben il dormira en ville. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un motel paumé comme ça? Je vais te dire qui vient dormir Johnny. Ici. Quoi? Ferme ta grande gueule. Par pitié. Dire de la merde comme tu le fais risque pas de nous avancer. T'as compris, Johnny? Oh, on dirait que les rôles sont inversés. Johnny, est-ce que tu vas maintenant, c'est nous qui sommes là, à attendre que les troupes d'Arasaka débarquent. Si on frappe, tu exploses la porte. Pas de sommation.
J'ai pas vraiment envie qu'on finisse comme Takemura. T'as entendu ça? Une caisse. À cette heure-là, dans un coin pareil? Merde. Juste une? Le doigt sur la gâchette, V. Qui est là? J'ai dit, qui est là? Vous voulez que tout le motel soit au courant ou vous me laissez entrer? Je suis armé. Ne tentez rien. C'est pas trop tôt. Oh, dégueu. Sur le mur, là, c'est du sang? Ouais. J'ai viré le dernier connard. Donc? Vous parliez d'un message. Il est assis juste là. Ça va bientôt commencer. Qu'est-ce qui va commencer? C'est une poupée. Ou un proxy. Je dois clarifier une chose. Je pense toujours que vous êtes fou, mais... Anako? C'est vous? Mais je ne peux plus me leurrer. Je vous crois. Dommage que vous m'ayez pas cru plus tôt. Peut-être que Goro serait toujours en vie. Puisque vous parlez de lui, gardez à l'esprit qu'il a tout fait pour que cette conversation ait lieu. Cela mérite le respect. Bien sûr. Yorinobu a planté un Tanto dans le cœur même de la corporation. Je dois agir tant que la blessure est fraîche. Et vous allez m'aider. Vous êtes la preuve vivante de son crime et de sa trahison. N'ai-je pas été assez clair? Ah, c'est déjà décidé? Vous n'êtes pas en position de négocier. Et si je vous obligeais à coopérer? Pour ça, il vous faudrait plus de proxys. Vous êtes là parce que vous êtes seul. Vous avez personne d'autre sur qui compter. C'est exact. Alors quelles sont vos conditions? Je veux savoir tout ce que vous savez sur Mikoshi. Mikoshi. L'un des projets phares de mon père. Une forteresse de données, avec des serveurs situés en orbite autour de la Terre. Une archive des constructs de personnalité. Des psychés numérisés, en quelque sorte. Ah non, les quêtes secondaires, les quêtes principales, je les rush pas. Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui pourra vous sauver. Pas sans une connaissance approfondie de la relique et du processus de création du construct. J'ai retrouvé votre figure, Hellman. Il s'était planqué dans les jupes de Kang Tao. On a parlé. Il pense que tôt ou tard, l'engramme va me consumer. On peut pas arrêter le processus. Voilà une conclusion bien fataliste pour un homme de science. Au moins, j'ai pu mettre la main sur les plans d'Arelic. Il y a des infos détaillées sur son fonctionnement, la documentation sur la tech. Très utile. Et encore plus avec Hellman. Ah, mais tout le monde a l'air de bullshiter, quoi, c'est un truc de fou. Je vais le contacter et lui expliquer qu'on ne quitte pas Arasaka aussi facilement. Tout le monde a l'air de s'en branler de V, quoi, tu sais, qu'ils ont juste envie de... Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas comment il a atterri sur la relique. Ni comment l'enlever. Je ne vois qu'une possibilité. Le tueur d'âme. Ou plutôt, sa nouvelle version plus puissante.
Vous devez l'obtenir. Moi ? Mais c'est une tech d'Arasaka. Une technologie que mon frère tient à l'écart même de ses plus proches collaborateurs. J'ai les mains liées sur cette affaire. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et maintenant ? Je vais vous envoyer ma ligne privée. Contactez-moi si vous en apprenez plus sur le tueur d'âmes. Pas avant. À partir de maintenant, nous devons agir avec une extrême prudence. Voilà, j'ai fait mon boulot. Tu sais quoi ? Quoi ? Je crois que j'aurais préféré voir les troupes d'Arasaka débarquer. On a eu ce qu'on voulait. Me dis pas que t'as eu les jetons. Moi ? Va chier. Non, mais réfléchis. Hier, Hanako vivait dans un monde où personne lui voulait de mal. Et aujourd'hui, elle a quoi ? Une ville étrangère ? Un frère meurtrier ? Et un putain de voleur. C'est pour ça qu'elle a envoyé un proxy. Elle est seule. Et elle se chie dessus beaucoup plus que nous. Ah ah. Clic. Quoi ? C'est quoi, Clic ? Le son de Salès qui s'accroche. Ouais, moi je la truste pas, hein, Hanako. Je la truste pas parce que j'ai l'impression que l'attaque est tellement fraîche qu'ils ont, ils ont tous envie de voir ce que ça va donner, quoi. Et donc au final, V, c'est un putain de cobaye, finalement, quoi. Cette cote... Ah, c'est quoi, ça ? Putain ! Ça doit pas être si grave, si t'en rigoles. Putain ! C'était ton cœur. Pose-toi un peu. Faudrait pas que tu clames alors qu'on a un boulot à faire. Je sais. Anéantir Arasaka, détruire Mikoshi, bla bla bla. Hé, hey, t'es vraiment en train de devenir comme moi. Ça m'en bat le moyen, vu que t'es manipulateur, égoïste et cynique. Chaque fois que t'ouvres la bouche, c'est pour chier sur quelqu'un. Tu sais, on arrive à s'entendre quand il le faut. Il serait peut-être temps que tu me fasses confiance. Tu peux être charmant quand tu veux. T'as du charisme. Mais je me souviens de cette bombe que t'as fait sauter en plein centre-ville. Sans hésiter, sans remords. C'est Mikoshi que je visais. Je voulais la détruire. J'ai laissé assez de temps à Arasaka pour évacuer le bâtiment. Tu savais qu'un tas de gens allaient mourir. Fais pas semblant. Toi aussi, t'as pris un paquet de vie. Tu crois que c'est le nombre, le problème ? Peu importe. Je vais pas me battre. Tout ce que je dis, c'est que t'es imprévisible. Ça te va bien de dire ça. Tu te souviens d'où t'es parti ? Et regarde ce que t'as fait dernièrement. Ton chemin est tout tracé. Tu le vois ? Je sais pas du tout ce que je fais. Mon rêve, c'était de devenir une légende vivante. Là, c'est à peine si je survivais. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment ? C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Là, il te reste encore une chance de devenir quelqu'un. Connerie. Y a rien de glorieux. À souffrir et mourir, ça fait pas de toi une légende. Hey, t'es mort. Ça t'a fait comment ? Ça t'a fait comment ? Quand t'es mort,
Salut Marquis. J'étais sur un petit nuage. J'avais l'impression que rien pouvait m'arriver. Jusqu'à ce que ça arrive. Et maintenant, je commence seulement à réaliser que je suis mort. Après tout ce temps, t'as mis 50 ans à imprimer. À Mikoshi, c'était comme si je dormais. J'étais pas conscient, j'avais pas la notion du temps, tu vois. Rien pour le mesurer. J'étais leur chose. Je me souviens juste du vide, du noir, du froid, de la peur. Ou je confonds avec ta mort. Mikoshi, pourquoi Arasaka l'a construit ? J'aimerais être dans la tête de Saburo Arasaka pour te le dire. Tu peux acheter les gens, leur laver le cerveau. Mais il y a qu'à Mikoshi que tu peux observer leur âme, la disséquer et la reprogrammer. Ils ont amassé une sacrée collection. Des runners ultra doués, victimes du tueur d'âme, puis enfermés. Ils doivent se servir d'eux maintenant, les contrôler. Alors c'est ça leur but. Avoir un contrôle total sur les gens. Classique. Asservir les gens a toujours été un but des corpos. Mais l'ambition de Saburo va encore plus loin. C'est l'humanité tout entière qui veut contrôler. Je comprends mieux pourquoi tu détestes cet endroit. Ça se passe bien, écoute. Il devrait pas exister. Je viens de faire la mission de... Les corpos font souffrir les gens dans le monde entier. Mais ce qui se passe à Mikoshi... C'est pire. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on te prive du droit de mourir. Comme quand on met les gens sous respirateur. Mais il y a pire que ça. Le pire, c'est quand on change ton identité et que tu sais même pas que t'es devenu quelqu'un d'autre. Les corpos se sont déjà emparés du monde. Et maintenant, c'est nous qu'elles veulent. Tu réalises que ce que t'es en train de me faire, c'est ce qu'Arasaka fait à Mikoshi. Ouais, je sais. C'est pour ça que je veux arranger ça. Bon, allez, on se remet au boulot. Ok, c'est parti. Bon. Eh ben, c'était bien cool. C'était bien cool. Du coup, ça va conclure notre épisode 11, les amis. Avec Twitch, ne bougez pas. YouTube, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous aurez passé un bon épisode 11. C'était franchement, elle était méga classe, cette mission. Elle était méga classe. Et en vrai, j'ai trop hâte de faire la suite. Mais je pense qu'on va faire des petites missions annexes un petit peu là pour changer. Du coup, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Et des gros bisous. Bye bye.